bien, salut à tous les amis, c'est Star Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo les gars, tout simplement sur Granny 3, et oui les gars, pour tout simplement un tout nouveau jeu qui est sorti il y a un petit moment, mais qui existe tout simplement que sur mobile, et c'est pour ça que j'ai pas pu le télécharger tout simplement sur PC, sinon je l'aurais déjà fait. Donc oui les gars, c'est bien la suite de Granny 3, c'est pas un faux, ça a vraiment été créé par les créateurs. J'espère qu'ils le mettront bientôt sur PC pour pouvoir faire une vidéo dessus. Donc voilà les gars, donc j'espère tout simplement que cette petite vidéo vous plaira. Écoutez, maintenant on va lancer tout simplement la petite game. Et puis on va bien voir ce que l'histoire nous attend. J'espère que vous êtes prêts, et puis voilà, allez, c'est parti. Ok, bon, on est parti les gars, tout simplement. Alors, petite cinématique comme d'habitude. Donc je vais pas la passer, hein, je vais vous laisser la regarder bien évidemment. Déjà la maison a l'air géante, hein, on va pas se le cacher. Elle a l'air vraiment énorme. Oula, petite caméra qui est en train de me fixer, bien, bien tranquille. Ok, on reconnaît la voiture de Granny, si vous vous rappelez. Ok, le portail vient de se fermer, tout va bien. Bon, notre personnage aussi, il cherche, hein, il est vraiment con. Il voit que ça se ferme, il essaye pas de s'en sortir ou autre. Puis tout court, tu rentres pas dans une maison comme ça, ça le fout. Tu vois ça, moi je pars en courant même s'il y a rien eu. Oh là là. Eh allez, non mais attends, c'est un château le truc. Il y avait un ponton, c'est n'importe quoi. On reconnaît la voiture de Granny. La maison, elle a l'air vraiment géante. Putain, en plus, vous avez vu dans le menu, il y a Pépé avec fusil à pompe. Il a bien changé, hein. Moi, je vous le dis. C'est du grand n'importe quoi. Oh putain. Regardez ce qu'il a dans la main. Non. Oh l'enfoiré. Mais non, l'enfoiré. Et il m'a carrément tiré dessus, en fait. S'en fout le mec. Bon bah merci Pépé, hein. Avant Pépé il était avec son pied de biche, là c'est Pépé fusée à pompe. Ok, jour 1 les gars, on va commencer tout simplement. Alors je vous le dis clairement, je n'y ai jamais joué, hein. J'ai fait aucune partie, je n'y connais rien. Bon ok, voyons voir, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Nous allons voir, bon ça les commandes devraient pas être difficiles. J'aimerais ouvrir cette porte s'il vous plaît. Ok, apparemment c'est fermé. Oh, je vois quelque chose qui brille par terre. Attendez. Allez. Lockpick. Oh yes. C'est pour détruire la serrure, je suppose. Hein? Ah ouais, faut laisser appuyer. Ok, nickel. On est en train d'ouvrir la serrure comme un cambrioleur, sauf que nous, on veut s'échapper. Oh putain. Non, non. Je suis pas là, hein. Je suis en train de dormir. Voilà, je suis pas là, Pépé. Pas besoin de me surveiller. Non, me dis pas, il va me surveiller, par contre, sinon je vais jamais pouvoir sortir. On va essayer de recrocheter. Non, par contre, je suis vraiment dans la D s'il essaye de... S'il me surveille. Eh, ça met longtemps, n'empêche, hein. J'espère qu'on n'aura pas à faire ça tout le temps. Ah, c'est bon? Ok, nickel. Ok, Pépé n'est plus là, apparemment. Apparemment, cette maison a l'air bien grande, hein, comme vous pouvez le voir. Ok, on va visiter cette porte. C'est quoi, ça? Il y a un cadenas. Et là, c'est un truc électrique. Ah non, un truc où il faut des clés, pardon. Raconte de la merde. Une étagère vide. Ok. J'ai l'impression qu'il y avait une autre cellule, là, à ma gauche. Ouais. Là, il y a l'air d'avoir une autre cellule. Qu'est-ce qui s'y trouve? Je peux crocheter? Non. Attends, je vais essayer d'ouvrir. Ah non, s'il faut crocheter. Ah, mais faut être debout. Ok. On va crocheter cette petite cellule. Voyons voir ce qui s'y trouve. Ça m'a... Ah, c'est bon. Wesh! Un cadavre! Qu'est-ce que tu fous là, mon gars? Toi aussi, tu t'es fait enfermer. Enfin, un cadavre, il reste plus beaucoup, hein. T'as plus de chair, ça doit faire un moment qu'il est là, lui. Ok, bon. Nous commençons l'expédition, les abois. En pleine expédition, tranquillement, dans la maison. Je vous avoue que je flippe un peu, parce que j'ai pas envie de croiser Granny et le pépé. Ok. Franchement, ce serait pas un truc qui me plairait beaucoup, je vous avoue. Ça me ferait vraiment pas plaisir. Et elle a l'air géante, la baraque. Je rigole même pas. Là, on aurait de chaussée, je crois. Nous allons visiter cette pièce. Une télé, ça va. C'est bien, hein, ils sont tranquilles. Hop. Et je suis caché. Au moins, s'il y a quelqu'un qui approche, bah, on me verra pas, quoi. Qui on va visiter. Y a rien ici. Hein. Là, y a rien. C'est quoi ce bruit?
Vous avez entendu là? Soit c'est Granny, soit c'est Pépé qui est en train d'arriver. Parce que vous avez entendu les bruits de pain. Bon, ok. On y va quand même, hein. On est obligé. J'espère pas me faire avoir dès le début. On va essayer d'être discret, les abeilles de fouiller. C'est quoi ça? Shotgun. Eh, mais c'est pour le Pépé, toutes les munitions. Oh, on peut aller dehors. Yes, yes, yes. Il y a la voiture abandonnée de Granny. Peut-on l'ouvrir? Non. Le coffre? Non. Je vous rappelle que les textures, on est au maximum, hein. On est même pas en texture faible, hein. Bon, après, c'est un jeu mobile, c'est pas très grave. Puis Granny, c'est pas fait pour les graphismes. Granny, graphisme, vous avez compris, bon, c'est de la merde. Bon, ok, on continue l'expédition. C'est quoi ça? Il y a un truc qui brille. Qu'est-ce que c'est? C'est un caillou? C'est un caillou, le truc stone? Ça me sert à quoi d'avoir un caillou? Une cabane fermée, pareil, avec un cadenas. Il y a tout qui est fermé avec un cadenas, c'est ouf. Il y a encore un autre truc qui brille. Ah, un deuxième caillou, ok. Et il y a une arme pour couper la tête. Hop là! Ah ouais, là, si c'est ma tête qui est en dessous, ça va faire mal, hein. J'espère pas, parce qu'après les 5 jours, ils nous tuent. Et du coup, s'il y a ma tête en dessous, c'est con, quoi. Bon, ok. Nous allons visiter la suite. Ça a l'air d'être le garage de Pépé. Je vois plein de munitions, hein, je sais pas vous. Hop, non. Vous entendez? Oh, oh putain! Wolfie 2. Mais non! C'était qui la meuf? Par contre, il y avait Granny, il y avait une autre dame, non? Il n'y avait pas une autre... Ok, j'ai pas compris, là, je vous avoue. Bon, jour 2. Il n'y avait pas une autre meuf? Il y a une meuf... Enfin, un fantôme, quoi. Et après, il y a eu Granny qui est venue. Oh non, va falloir recrocheter à chaque fois, tu vas me dire? Ah non, ça va plus vite. Heureusement. Ok, nickel. Nous ressortons tranquillement de notre petite cellule. Bien au calme. Posé au calme. Bon, voyons voir. J'espère pas croiser Granny. Pour l'instant, Pépé, je l'ai pas croisé. Hein. Oula. Par contre, vous avez entendu ça? Non, par contre, je rigole même pas, là. J'ai vraiment entendu. Vous entendez ce bruit? Et ce bruit, c'est quand il y a un screamer ou... Enfin, c'est quand on s'est fait repérer, quoi. Ok, non, ça va. Je pense que c'est bon. Nous allons essayer de monter à l'étage, bien tranquillement. Donc, il est pas... Oh! Non, 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 non! Barre-toi, barre-toi, barre-toi! Non, je suis pas la Granny, désolé! Je suis venu par accident! Ouvre! Ok. Je me barre! Mais non, c'est une fausse armoire. On peut pas se cacher là-dedans. Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. Là. Et on peut pas. Ok, on se cache là. Là, vous croisez les doigts, les gars, que je me fasse pas trouver, sinon je suis mort. Croise les doigts, sinon je suis vraiment mort, je rigole même pas. Granny, ne me trouve pas, s'il te plaît, moi je suis gentil. Sois gentil aussi avec moi. Elle a pas l'air d'être là. En attendant, on va essayer de fouiller. Ça a l'air d'être l'atelier de Pépé. J'aime bien l'appeler comme ça. Oh, wesh! Encore elle, encore elle, encore elle. Deuxième fois, hein. Je sais pas ce qu'elle me veut, elle. Troisième personnage de Granny. Granny 2, il y avait Pépé en plus pour le deuxième perso. Bah, Granny 3, troisième personnage. Il a récupéré un bâton ou un bout de bois. D'accord. Je comprends pas trop ce que je dois faire avec. Une poêle. Ah, c'est la cuisine, en fait. Moi, je sais pas. J'ai même pas encore visité l'étage. Tac. C'est quoi le bruit que ça fait? Attendez, ça a l'air de faire un truc vers ici, non? On dirait c'est une cheminée, c'est... Quoi, je comprends rien. Oh punaise, par contre, vous l'avez vu, là? Il y avait Mister Pépé, je rigole même pas. Il y avait Mister Pépé. Vous l'avez vu, hein, là-bas. Ouais, il m'a fait flipper. Parce que lui, il a un fusil à pompe, hein, lui. Il va me fusiller s'il me voit. Encore la grand-mère, c'est la batte de baseball, et l'autre, elle me crie dessus, mais lui, c'est fusil à pompe. Faut faire quoi, ici? On dirait c'est le truc pour le linge que tu jettes en haut, là, vous savez. Non, vous voyez pas, bon, bah, tant pis. Par contre, je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire.
Vous savez quoi? On va essayer de visiter hors de la maison. Mais avant, on va finir de fouiller l'atelier. Rien. Rien. Et rien. Bah, c'est bien de la merde, hein, dis donc. Y'a rien dans cette foutue baraque. À ce que je vois. Oh, putain. Oh, non. Pépé, Granny, je fais quoi? Je fais quoi? Ok, Granny. Oh là là, mais c'était impossible de s'en sortir. Tu voulais que je fasse comment? A few moments later. Ok, c'est bon les gars, tout simplement, j'avais fait une petite coupure tout simplement car il y avait une petite pub. Et en même temps qu'on est en train tout simplement de reprendre le niveau et du jour 3, je vous invite tout simplement, si ça vous intéresse, à rejoindre ma chaîne qui est à côté du bouton abonné. Tout simplement, si vous le rejoignez, enfin vous pouvez le payer si vous le voulez. Et bien tout simplement, vous aurez des avantages sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple... il y a plusieurs paliers de niveau, donc pour palier débutant, etc., vous aurez par exemple des avantages comme jouer avec moi, avoir des logos, des badges de fidélité à côté de vos pseudos et être membre de ma chaîne si ça vous plaît. Donc voilà, donc je précise, par contre c'est payant, donc si vous le pouvez et si vous voulez, vous pourrez tout simplement le payer si ça vous fait plaisir. Et en tout cas, ça aiderait énormément la chaîne YouTube et je vous en remercierai. Donc voilà, donc par contre je vais commencer à me dépêcher puisqu'il y a Granny qui est en train d'arriver. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à rejoindre le bouton de ma chaîne et comme ça vous pourrez avoir des avantages, avoir un chat privé, des emojis, des icônes, etc. que seul vous pouvez avoir car vous aurez rejoint la chaîne. Donc voilà, j'ai fait la petite page de pub, on peut dire ça, et je remercierai tous ceux qui le font tout simplement. Oh putain, par contre, j'ai un peu flippé en expliquant ça, parce qu'il y avait Madame Granny, elle a posé un piège. Ah! Oh la bâtard! Oh, elle m'a vu. La connasse, je me barre. Parce qu'en fait, je vais essayer de monter à l'étage, mais je vous avoue, là, ça va pas être facile. Putain, on va essayer de faire le tour, ok? Ne vous inquiétez pas, les abos, on va y arriver, aucun problème. Je vais faire le tour, par contre, elle fait vraiment flipper. On va pas se le cacher, hein. Voilà. Surtout la fille aussi tout à l'heure là, elle me casse les couilles. Allez, on monte à l'étage. Ok, je cours. J'esquive le piège. Ok, première fois que je suis en haut les gars. Oh putain, on va monter en haut, vous savez quoi? Allez, hop, on monte tout en haut, rien à faire. Mais c'est énorme, c'est quoi cette baraque? Je sais pas où je vais, mais je monte. Ta mère, j'y arrive pas. Ok. Par contre, ça me fait un peu flipper, on entend des rires. Ça, on va pas se le cacher. J'espère pas, elle va revenir, le fille. Elle me casse les biens. Oh, je suis sur le toit. Trop stylé. Oh non, pas encore elle. Non. Partout. Mais putain, mais j'en ai marre, les abos. Je suis encore mort. Voilà. Bah, attends, on est jour 4, là, je crois. Et en plus, on est jour 4. Eh, mais vraiment, on va pas survivre, les abos, je pense. Hein. Ça va vraiment pas le faire. Allez, de retour dans cette fameuse cellule. Comme d'hab. Voilà. Ça, c'est fait. Et elle est toujours là au mauvais moment. C'est à cause d'elle que je suis tombée. J'ai voulu reculer, je suis tombée comme un con. Je sais même pas si je vais réussir à retourner à l'étage pour vous dire, les abos. Il me reste 2 chances. Ah, mais ce bruit à chaque fois. T'as toujours l'impression de te faire cramer. Mais non, pas encore elle. J'en peux plus de cette fille, j'en peux plus. Vraiment, les abos. Oh non, il y a Pépé. Pépé, fusil à pompe. Il va me fusiller. Je suis pas là, Pépé. Je me barre. Je m'en fous, il m'aura pas. Hein. Je me taille en courant. Et je vais essayer de monter par l'autre côté pour aller à l'étage. C'est mort. Je veux monter. Oh. Non, Granny, je vais crever. Ta mère. Quoi? Quoi? Ah ouais, d'accord, Pépé m'a fusillé, super. Merci Pépé, hein, franchement. A few moments later. Ok, bon, on est reparti. Deuxième fois qu'il y a une pub, ça me saoule un peu, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Là, je suis... Surtout que là, je suis dans la merde, car c'est le dernier jour. On est au day 5, jour 5. Et du coup, bah, c'est ma dernière chance de survivre. Et je pense qu'il y a très peu de chances que je réussisse. Mais bon, il y a peut-être un petit espoir. Bon, j'espère pas revoir la meuf, là. Surtout qu'elle me dit des trucs bizarres, hein, comme vous le voyez. Moi, j'en peux plus d'elle, hein. Bon,
Est-ce qu'on peut passer sur le côté? Parce que depuis tout à l'heure, ça m'intrigue. Ça n'a pas l'air. Bon. Ok, super. Nous allons sortir. Non, mais c'est pas possible. Je sors, je vois qui pépé son fusil à pompe. Il est toujours là, hein, le vieux con. J'espère qu'il s'est barré, comme ça on va essayer de monter à l'étage, les abos. Allez, prie. Allez. Non, putain, il est toujours là. Non. Oh putain, il m'a vu. Je suis mort. Ok. Je retourne dans ma cellule. Hop. Voilà, c'est bon. Je suis dedans, je suis toujours évanoui, j'ai pas bougé. Voilà, je suis caché. Tu m'auras pas. Putain, il y a le sang quand je me réveille. Tu m'auras pas, j'en ai rien à foutre. Non. On n'insulte pas. Mais tu ne m'auras pas. Ça ne sert à rien. Je vais faire que ça. Hein. S'il le faut. Faut trouver une technique, hein, les abos. C'est pas possible. Faut leur faire comprendre, en fait, à ces gens qui on est. Sinon, ça va pas du tout. Bon, allez, c'est pas grave. Let's go. C'est quoi ça? La cellule de mon camarade de squelette, hein, comme d'habitude. Hein. Ok, on va essayer de remonter. Et là, s'il me revoit, ça va me saouler. Mais prions que non. Prions qu'il est parti tranquillement et que je vais pouvoir y aller. Mais non, j'en peux plus. J'en peux plus de cette fille, laisse-moi tranquille. C'est ouf. Oh, moi, je vais devenir fou. Oh non, mais il y a Granny, mais c'est pas possible. Non. Ah oh, allez, c'est la cata. Allez, je me barre. Oh, je vais dehors. Wesh. Oh, ça bug, c'est quoi ça? Ok, bon, c'est pas grave. Je me taille, hein. A plus, Granny, tu me... C'est mort. Tu me retrouveras même pas. Je vais me cacher derrière là, cette petite cabane. Là. Personne ne me retrouvera. Ah, je vais rester là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Ce sera nickel. Mais c'est pas possible ça. Déjà c'est un château le truc. Puis j'ai réussi à aller une fois à l'étage, hein, les abois. Franchement, vous pouvez me féliciter une fois. Je trouve que c'est beaucoup. Bon. Deuxième fois que nous retentons d'essayer à l'étage sans se faire cramer par Pépé, Granny ou la meuf. Ah ouais, c'est un combat rude, hein. Moi, je vous le dis. Ok. Nous montons tranquillement ces escaliers. Non, il va me fuser. Là, je suis mort. Oh, le coup. Ok, je vais en bas. Je vais dans ma cellule, j'ai jamais été là. Deuxième fois. Hop, et hop. C'est pas du tout la deuxième fois que je suis dans cette cellule, hein. T'inquiète même pas, mon gars. Tout va bien. Alors, vraiment, tout va bien. Ok. Je me barre tranquillement. Je ne réessaye pas du tout pour la troisième fois ou deuxième fois, je sais plus. Je commence à me perdre tellement j'en peux plus, les abos. C'est un combat insurmontable, vraiment. Oh non, mais non, j'en peux plus, les abos. C'est quoi ça? Ouais. Ok, des allumettes, c'est pas mal. Je vois pas trop à quoi ça me sert, des allumettes, mais bon, ok, c'est pas très grave. Non, je vais essayer de passer à côté. Allez. Mais j'en peux plus. Bon bah, on aura réussi qu'une fois à monter, hein. Écoutez. Je vais vous dire, les abos. Au moins, on aura réussi une fois à monter à l'étage. Ouais, je suis où, là? Ouais, je suis dans la voiture. Wesh, Pépé, il est où, ton fusil à pompe? Oh, la bâtard! Dynamite. Je vais exploser. Wesh. Ah ouais, Pépé avec le fusil à pompe. Ah ouais, et les lunettes de life, hein. Il a passé la mission, comme dans GTA, on dirait. C'est du grand n'importe quoi. Bon, bah voilà, hein, super. Game over. Bon, en tout cas, j'espère tout simplement que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires si vous voudrez la suite du jeu ou pas. En tout cas, n'oubliez pas de suivre mon Instagram, StarGamingYTB, et mon TikTok, StarGaming-YTB. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et puis, voilà.
Allez, ciao tout le monde.